Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est plus que merveilleux. Il est bienveillant. Il est compatissant. Il est tout-puissant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Et gloire à Dieu, alléluia. Veuillez vous rasseoir. Que Dieu soit béni, alléluia. En tout cas, pour un début, c'est formidable. Tout ça pour vous dire que les deux soirées qui sont devant nous seront des soirées indescriptibles. Des soirées avec une atmosphère plus que céleste. Et gloire à Dieu. En tout cas, bonsoir à chacun de vous. Shalom à vous tous qui êtes ici, qui avez répondu nombreux à cette première soirée de notre séminaire sur un thème ô combien important, à savoir la volonté de Dieu et notre vie, comment nous pouvons l'expérimenter, comment nous pouvons demeurer au cœur et au centre de la volonté de celui qui nous a tellement aimés qu'un jour, malgré notre indignité, malgré notre bassesse, un jour il nous a attirés à lui, un jour il a fait de nous ses enfants. Alléluia. C'est Dieu là un plan merveilleux pour chacune de nos vies. C'est Dieu là des projets de paix, de prospérité, des succès, des projets, mes amis, formidables pour chacun de nous. Et tout au long de ce séminaire, nous allons essayer, autant que faire se peut, de regarder autour et alentour de ce thème ô combien important, alléluia. Et je voudrais, puisque vous n'êtes pas les seuls à suivre ce séminaire, nous avons un peu partout à travers le monde et via les différents réseaux sociaux des frères et sœurs qui sont en communion avec nous. Et je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour leur envoyer un tonnerre de salutations. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Gloire à Dieu, alléluia. En tout cas, nous espérons passer des moments merveilleux avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand lui est là, tout devient possible. Nous sommes venus nous asseoir au pied du plus grand docteur qui soit. Oh, alléluia. Nous sommes venus pour apprendre de lui. Je voudrais que vous en profitiez au maximum, car nous vivons des temps difficiles, car nous vivons, mes amis, des moments qui sont marqués par toutes sortes de choses. Et dans ces moments difficiles, eh bien, nous avons besoin plus que jamais de nous attacher à la sainte et à la saine doctrine telle que les apôtres nous l'ont laissée. Alléluia. Alors, je vous souhaite un très bon séminaire. Je vous souhaite d'être plus qu'attentifs. Je vous souhaite de boire la présence du Seigneur, de vous en rassasier. Je vous souhaite des moments plus que bénis au pied de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ça vaut la peine de l'acclamer. Donc voilà, nous sommes venus lui tendre une oreille pour recevoir de lui sa parole, pour être enseigné par lui, le docteur par excellence. Mais cela ne doit pas nous empêcher, alors que nous sommes là dans sa présence, alors que nous sommes là dans sa maison, peu importe le thème que nous allons exploiter, que rien ne vous empêche de lui présenter vos besoins, de lui présenter vos attentes, de lui dire: Seigneur, je suis venu pour écouter ta parole, je suis venu pour nourrir ma foi, je suis venu pour que tu te révèles à moi. Cependant, alors que je suis là, j'ai des larmes dans mon cœur à cause de ceci, à cause de cela. Alors que je suis là, Seigneur, j'ai laissé des problèmes à la maison, je voudrais que tu t'en occupes. Alors que je suis là, Seigneur, j'ai une souffrance dans mon corps, je voudrais que tu poses ta main de guérison sur nous. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ne disons pas: oui, nous sommes là seulement pour ceci. Dieu est celui qui n'arrête jamais de nous surprendre. Alléluia. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée autour du Seigneur et à ses pieds, et vous demande d'avoir vraiment des cœurs ouverts, des cœurs dans des bonnes dispositions qui puissent permettre à la parole de Dieu d'être accueillie
avec ferveur, avec passion, avec enthousiasme, et puis de voir cette semence de la parole de Dieu produire du fruit pour sa gloire. Alors, puisque le Seigneur est avec nous, nous voulons tous ensemble et à l'unisson lui dédier cette première soirée, mais aussi les deux autres qui sont devant nous. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous demanderai de vous lever et nous allons proclamer la victoire déjà sur cette soirée. Nous allons proclamer sa victoire sur les deux autres soirées. Nous allons demander à ce que lui et lui seul puisse se manifester ici au travers de notre séminaire. On m'annonce que tous les bus sont déjà là. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné les moyens de mettre à votre disposition, du moins à la disposition de tous ceux qui viennent de loin, eh bien des bus. Merci pour votre générosité, car c'est grâce à vos offrandes, grâce à vos dîmes, que nous avons pu dégager ce petit budget pour louer les 5 bus Transco. C'est des bus Mercedes. Je peux vous dire que vous êtes les enfants du roi des rois. On ne peut pas mettre à votre disposition... On ne peut pas mettre à votre disposition des ketchs ou des esprits de mort ou de vie, que sais-je. Mais on a voulu qu'un plus grand nombre d'entre vous puisse prendre part à tout ça. Alléluia. Nous allons prier que chacun invoque le nom du Seigneur, que chacun lui confie un aspect particulier de ce séminaire, que sa main soit sur son serviteur chargé de vous annoncer, de vous communiquer sa parole, que sa main soit sur Sion, sur le pasteur Joël Kaboué qui va intervenir d'un moment à l'autre au niveau de la louange et de l'adoration, que sa main soit sur tous ceux qui jouent les différents instruments, que sa main soit sur chacun de nous, que sa main soit sur les services d'accueil, sur les services audiovisuels, sur les services sonos, que sa main soit sur le site de la borne, que tous ceux qui sont ici, peu importe que ce soit ici, dans le grand temple, que ce soit dans les différents hangars, que ce soit au chapiteau, que tout cela, eh bien, puisse bénéficier de la grâce que le Seigneur voudrait répandre sur chacun de nous. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, c'est avec beaucoup de reconnaissance, notre Père, que nous avons répondu à ton invitation à venir prendre part à ce séminaire qui démarre aujourd'hui. Ce séminaire, ô Dieu, dont la pensée principale est la connaissance de ta volonté pour notre vie. Tu nous appelles, Seigneur, à marcher sur tes pas. Tu nous appelles à connaître tes voies. Tu nous appelles à demeurer au cœur de ta volonté, au centre de ta volonté, pour qu'enfin tu puisses accomplir le plan que tu as pour nos vies, mais également pour que par nous, à travers nous, tu puisses, Seigneur, ô Dieu, réaliser tes objectifs ici-bas. Seigneur, nous te confions, ô Dieu, ce séminaire au nom de Jésus-Christ. Nous te confions toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions pour que ta grâce repose sur ces séminaires, que ta gloire paraisse dans ces séminaires, au nom de Jésus-Christ, que nous soyons bénis par ta présence, que nous soyons bénis par ta parole, que ton esprit se meuve, que ton esprit se meuve, que ton esprit agisse puissamment en nous et à travers nous. Merci d'être avec tous ceux qui sont en communion avec nous, un peu partout à travers le monde. Que ta grâce repose sur chacun d'eux. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir, alléluia. Je sais que lui-même s'est introduit. Comme vous l'avez remarqué, je l'avais annoncé. Nous avons donc la joie d'avoir avec nous le pasteur Joël Kaboué, que je vous demande d'accueillir avec amour. Alors, pasteur, nous vous laissons tout. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, très bonne soirée. Alléluia. Si vous voulez danser, dansez.
Vous voulez sauter comme moi, sautez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you.
Quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris de joie. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort.
descendais, si tu descendais, si tu déchirais la sienne, 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 si tu descendais, les montagnes de nos vies s'ébranleraient si tu déchirais la sienne. Aucune montagne ne résiste quand toi tu descends. Qu'est-ce qui peut être impossible à toi? Tu es le Dieu qui peut tout en tout temps, tu fais tout ce que tu veux. Oui, nous nous soumettons à ta volonté ce soir. Oui, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Nous nous soumettons à ta volonté. Si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux. Shalom.
es-tu le Dieu des miracles? Où es-tu le Dieu qui répond aux prières? Où es-tu le Dieu qui restaure? Où es-tu le Dieu compatissant? Oui, nous prions à toi. 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 C'est là, Jésus. Ta présence est là, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons pour ces instants, Jésus. Nous te rendons grâce pour ces instants, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, ce soir, avec nos offrandes, parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons nous vient de toi. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tout ce que nous avons nous vient de toi. Daigne les accepter, Seigneur, afin que cela serve, éternel Dieu, à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans cette même attitude de recueillement, dans cette même attitude de prière. Ne soyons pas déconcentrés. Alors que le panier des offrandes est en train de circuler, restons dans cette même attitude et contemplons la grandeur de Dieu, contemplons l'amour de Dieu. Alléluia.
Gloire au Seigneur, acclamons très fort le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, veuillez vous rasseoir. Merci au pasteur Kaboué. Merci à Sion, à tous ceux qui accompagnent ce moment de louange et d'adoration. Encore une fois, merci à chacun de vous d'avoir répondu favorablement à l'invitation du Seigneur à venir dans ce lieu, dans sa maison, à l'occasion donc de ce séminaire dont le thème principal est la volonté de Dieu et notre vie. Deux points, comment la connaître? Comment pouvons-nous expérimenter la volonté de Dieu? C'est que Dieu attend de chacun de nous. Mais pour pouvoir expérimenter cela, il faut que nous sachions. Nous sachions exactement ce que Dieu attend de chacun de nous. D'abord de nous, son peuple en Christ, mais également ce qu'il attend de chacun de nous en particulier. Car nous allons voir tout au long de ce séminaire la volonté générale de Dieu envers chacun de nous, mais également la volonté particulière. Alléluia. Lorsque je vous regarde, vous n'êtes pas tous habillés de la même manière. Lorsque je vous regarde, vous êtes tout à fait différents les uns des autres, n'est-ce pas? Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Il a une volonté générale pour tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont en Christ. Mais il a également un plan spécifique pour chacun de nous. Alléluia. Il a un plan particulier. Et tout au long de ce séminaire, je sais que 3 jours sont insuffisants. Il faudra que nous ayons une deuxième session, un deuxième épisode par rapport à ça, nous le ferons. Mais en tout cas, nous allons voir ce que Dieu attend de nous. L'essentiel, c'est de vous donner les grandes pistes qui permettent à chacun de nous de réaliser que la plus grande chose qui soit, ce n'est pas tant de courir ça et là, mais c'est plutôt de comprendre ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Nous allons sans plus tarder incliner notre tête dans la prière. Nous voici de nouveau devant toi, Seigneur, pour te remercier pour ces moments, pour ce temps qui nous a permis de t'exprimer nos sentiments de joie, nos sentiments de reconnaissance, nos sentiments d'adoration. Ces moments nous ont amenés, Seigneur, à nous tenir devant toi et à te contempler dans toute ta beauté, dans toute ta splendeur, dans toute ta majesté. Tu es différent, tu es particulier, tu es unique, tu es singulier. Il n'y a pas de Dieu comme toi, aucun être n'est semblable à toi. De toute éternité, tu es et tu le resteras. Et pour nous, Seigneur, ces moments sont un grand privilège, car ils nous ont permis de nous approcher avec foi, avec confiance, du trône sur lequel tu es assis, ô notre Père, pour te rendre ce qui t'est dû de toute éternité, à savoir la louange, l'honneur, la gloire, la majesté, la reconnaissance, la puissance. Mais nous sommes là également, ô Seigneur, pour nous asseoir très humblement et avec révérence, Seigneur, à tes pieds, dans un esprit d'enseignabilité, dans un esprit docile, pour pouvoir recevoir de toi ce que tu as préparé pour chacun de nous. Parle-nous, révèle-nous, Seigneur, qui tu es, Et c'est au travers de ta parole. Merci de bénir cet outil qui n'est qu'un simple homme. Seigneur, un vase d'argile animé par ton esprit. Oui, bénis cet instrument et donne-lui, Seigneur, de dépendre entièrement de toi. Donne-lui, Seigneur, de rester attaché à toi, de rester entre tes mains, de se tenir devant toi et de parler en s'adressant à ton peuple à partir de ta présence. Merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Nous te le demandons, tendre Père, au nom de celui qui est venu te révéler ici-bas, au nom de celui qui a payé le prix de notre rachat, au nom de celui au nom duquel nous sommes sauvés, à savoir Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En son nom, nous te prions, tendre Père, de te révéler toi-même à chacun de nous au travers de ta parole.
Seigneur, et à partir de ce thème ô combien important et vital pour chacun de nous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien. Nous allons démarrer notre premier chapitre de notre thème, à savoir la volonté de Dieu et notre vie. Comment la connaître, comment l'expérimenter. Alléluia. Et nous allons lire un texte que certains d'entre nous connaisseraient bien, c'est Éphésiens 2, qui reste un très très grand texte par rapport au salut par la foi, un texte qui nous montre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes devenus en Christ. Un texte, mes amis, qui dresse d'abord le tableau de tout celui qui n'est pas en Christ, de tout celui qui est païen, tout celui qui n'a jamais expérimenté Christ dans sa vie. Et puis ensuite, ce texte dresse le tableau de celui qui, par la grâce de Dieu, est passé de l'autre côté, a quitté cette réalité sinistre, horrible, cette réalité terrible, mortifère, que la Bible appelle le monde, pour entrer dans une nouvelle réalité, la réalité du royaume de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans la nouvelle vie en Christ. Et dans cette nouvelle vie en Christ, eh bien, nous allons voir ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est donc Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, nous allons lire à partir du premier verset, qui commence justement avec ces tableaux sombres que Paul, ou que la révélation de Dieu nous donne concernant tous ceux qui ne sont pas en Christ et ceux que nous étions aussi autrefois. La Bible nous dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, et dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, oh j'aime beaucoup ce verset, mais, malgré notre indignité, bien qu'étant enfants de la colère, bien qu'étant enfants corrompus, eh bien, sous la colère de Dieu, mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. Pour quelle raison? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, ou littéralement, et j'insiste beaucoup, pour ceux de l'abord, ils savent que j'insiste beaucoup sur la traduction littérale, afin que nous marchions dans ces œuvres, qu'ils ne préparent pas chaque jour qui arrive. Il dit pour aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15, alors ils prépareraient tout de suite les œuvres dans lesquelles nous devons marcher. Pas du tout. Les œuvres qu'il a préparées, le Dieu qui est avec nous et le Dieu qui tient le passé, qui tient le présent et qui tient le futur dans sa main. Il a la totalité de la réalité. Alléluia. C'est ainsi que dans le livre de l'Apocalypse, il nous révèle des choses qui arriveront. À l'époque, lorsque l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, reçoit toutes ces révélations, eh bien, nous sommes à la fin du premier siècle. Voyez-vous, Dieu lui révèle deux choses qui allaient arriver. Et parmi les choses qu'il lui a révélées, il y a des choses qui sont arrivées au cours de l'histoire. Mais il y en a d'autres qui arriveront.
que nous contemplons au loin. Alléluia. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il n'a pas besoin que nous soyons mardi ou mercredi le 15 mars pour savoir exactement de quoi ce jour est fait. Formidable. C'est difficile pour nous de comprendre. Car nous, nous agissons sur un axe linéaire. Pour nous, il y a un passé. Pour nous, il y a un présent. Pour nous, il y a un futur. N'est-ce pas? Voilà. Le passé est passé. Maintenant, c'est le présent. Et le futur est devant nous. Voyez-vous? Et le futur, nous en parlons parce que c'est un futur. Nous ne le vivons pas encore. Mais pour Dieu, tout est possible. Alléluia. La volonté de Dieu est notre vie. Comment la connaître? C'est donc notre première soirée quant à cet enseignement sur la volonté de Dieu et ce que Dieu désire pour chacune de notre vie, mais aussi comment, quelle est la manière, quels sont les moyens qui sont là à notre disposition pour pouvoir, mes amis, si vous voulez, nous conditionner, être dans un état où lui accomplit sa volonté en nous et à travers nous. Notre thème comprend trois axes importants. Il est d'abord question de la volonté de Dieu. Voilà, du Dieu que nous avons rencontré, du Dieu qui nous a régénérés, qui nous a engendrés en Christ. Et donc, la volonté de Dieu. Ce Dieu-là n'est pas une idole. Ce Dieu n'est pas une réalité figée dans l'espace et dans le temps. C'est un Dieu personnel, alléluia. Et donc, il y a une volonté. Il n'a rien à voir avec les Bouddhas. Si vous allez en Asie, vous allez voir des bustes de Bouddha, des statues de Bouddha, qui sont figées dans l'espace et dans le temps. Il y en a qui ont été sculptés il y a 1000 ans. 1000 ans que ce Bouddha sont dans la même posture. 1000 ans qu'elles regardent dans la même direction. Ces statues-là. 1000 ans que cette statue ne peut pas bouger. Oui, elle ne peut pas bouger. Il n'y a qu'un seul qui lui bouge, qui lui est dynamique. Alléluia. C'est celui qui est l'auteur de la vie. Qu'elle soit la vie biologique, que ce soit la vie spirituelle, c'est lui et lui seul. La Bible nous dit que c'est en lui, dans ce Dieu dont il va être question, avec sa volonté, c'est dans ce Dieu-là que nous avons la vie, que nous avons l'être et que nous avons le mouvement. Alléluia. Voilà le premier axe, la volonté de Dieu. Ensuite, il est question de notre vie. Ah, nous, notre vie. Donc ici, nous voyons tout de suite qu'il n'est pas question de la vie de ceux du dehors, de ceux qui sont dans le monde. Il est question de la vie de ceux qui un jour ont rencontré le Seigneur, qui un jour sont devenus ses enfants, qui un jour sont entrés en alliance avec lui. Voyez-vous? Et donc, il s'agit de cette vie-là. Il s'agit de chacun de vous. Et à ce niveau, je voudrais demander à tous ceux qui n'ont jamais pris la décision d'accepter Jésus dans leur vie, tous ceux qui ne se sont jamais repentis, qu'ils sachent que ça ne sert à rien de vouloir expérimenter les choses que nous allons voir, si au départ, ils n'ont jamais pris la décision de se repentir, de reconnaître leur état de péché, leur rébellion, leur besoin de salut, et de se tourner vers le Seigneur en disant, « Seigneur, me voici, entre dans ma vie et prends les commandes de ma vie. » Tout commence par là, n'est-ce pas? Donc ici, je m'adresse à chacun de vous, non seulement vous qui êtes ici, mais aussi tous ceux qui me suivent, à partir de différents réseaux sociaux, je m'adresse à vous comme à des gens qui ont déjà la vie de Dieu en eux. Des gens qui sont de nouvelles créatures en Christ. Donc, il sera question de notre vie, de cette vie-là que nous avons reçue en Christ, la nouvelle vie. Et enfin, il est question du comment la connaître. C'est-à-dire par quels moyens nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Ce qui est formidable avec le Dieu de la Bible, c'est que dans sa parole, il nous rassure, il nous dit qu'il y a moyen que nous puissions connaître le plan qu'il a préparé pour chacune de nos vies. Oh, alléluia! Ce qui est formidable, c'est que Dieu
a tout fait et il fait encore tout pour que ses enfants ne soient pas dans la confusion. Il est la lumière. Non seulement lorsqu'il se révèle à nous en nous libérant du pouvoir des ténèbres, mais il est la lumière en nous. Donc il est appelé à nous éclairer. Et ses voix ne sont que lumière. Alléluia. C'est l'ennemi qui jette le trouble en nous. C'est l'ennemi qui jette la confusion en nous. Voyez-vous? Mais avec lui, tout est clair. Tout est net. Alléluia. Et gloire à Dieu. Donc, comment pouvons-nous expérimenter cette volonté? Ça, c'est une question importante à laquelle nous allons répondre durant ces 3 soirées. Connaître la volonté de Dieu. Pas de manière intellectuelle. Pas de manière cérébrale, mes amis. Et ce, au terme d'un parcours académique, en théologie, ou même au terme d'un parcours biblique dans telle ou telle autre institution. On peut se lancer dans ces études. On peut aller dans une faculté de théologie, apprendre beaucoup de choses concernant Dieu. On peut aller dans une école biblique, apprendre beaucoup de choses concernant Dieu. Mais pour connaître Dieu lui-même, pour l'expérimenter, eh bien, nous avons besoin de son esprit. Car personne ne connaît Dieu si ce n'est son esprit. Nous avons donc besoin de lui-même. Tout commence par la nouvelle naissance. Et j'insiste beaucoup. Et donc ce n'est pas une connaissance intellectuelle, théorique, qui serait le produit d'un passage, de notre passage dans une institution théologique ou dans une école biblique. Même si cela est important. Car dans la recherche de la connaissance de Dieu et de sa volonté, nous devons savoir que notre raison, notre capacité intellectuelle est impliquée. Ça, vous devez le savoir. Voyez-vous, nous ne débranchons pas notre cerveau lorsqu'il est question d'interagir avec Dieu. Non. Nous n'arrivons pas ici et puis nous débranchons notre cerveau. Et puis nous entrons émotionnellement parlant. Et puis nous sommes là comme des tortues. Voyez, non, pas du tout. Nous gardons la raison. Alléluia. La vraie foi est une foi qui repose sur des prescrits bibliques. Voyez-vous, c'est une foi rationnelle, mais une foi où la raison, plutôt une vie où la raison, quelle qu'elle soit, est sous le contrôle, sous la conduite du Saint-Esprit et sous l'autorité de sa parole. Alléluia. Car l'intelligence à elle seule, je parle de l'intelligence naturelle, eh bien, est incapable de saisir les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de révélation. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Donc, le verbe être, et plutôt connaître, doit être compris dans le sens d'expérimenter. Connaître la volonté de Dieu dans le sens de l'expérimenter. Dans le sens de vivre pleinement ce que Dieu attend de nous dans tel ou tel autre domaine. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà à ce niveau que nous nous posions cette question. La question suivante. De manière générale, dites-moi, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Si nous nous tournons vers la Bible en cet instant et que nous demandons, nous posons la question à la parole de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Eh bien, nous trouverons à travers la parole de Dieu, toutes sortes de passages. Mais je voudrais en épingler juste 3. 3, si vous voulez, qui nous montrent très clairement ce que Dieu attend de chacun de nous. Premièrement, voilà ce que la Bible répondrait. Elle répondra par 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 3-4. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Ce que Dieu veut. En d'autres mots, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oh, alléluia. C'est que chacun de vous, c'est que vous absteniez de l'inconduite, et puis verset 4, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, etc. Première chose, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous puissions nous sanctifier.
Qu'est-ce que cela veut dire brièvement quand nous parlons de la sanctification? Eh bien, quand nous parlons de la sanctification, eh bien, nous parlons de cette approche, de cette dynamique qui nous amène à ressembler davantage à Jésus. Alléluia. Donc Jésus reste notre modèle en nous sanctifiant, c'est-à-dire en marchant dans sa parole, en nous débarrassant du péché, eh bien, nous finirons par lui ressembler. Donc c'est la conformité croissante à l'image de Jésus. Pourquoi croissante? Eh bien, parce qu'on ne peut pas en un seul jour ressembler à Jésus. Et je vous dirais que même après une vie de 100 ans de conversion, il est impossible de finir par lui ressembler parfaitement. Pourquoi? Parce que tant que nous serons dans ce corps, eh bien, nous serons toujours en proie à toutes sortes de faiblesses. Voilà pourquoi il faut que ce corps retourne à la poussière. Et quand ce jour-là, eh bien, nous revêtions de corps glorieux, alors nous serons comme lui. Alléluia. Mais en attendant, eh bien, nous ressemblons davantage. Chaque jour qui passe, par une vie d'obéissance à sa parole, par une vie marquée par la sainteté, par la crainte de son nom, eh bien, nous lui ressemblons de plus en plus. Donc voilà la première chose. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Seigneur, quelle est ta volonté? Dis que tu te sanctifies. Bien. Je parle ici, c'est de manière générale. Deuxième texte qui abonde dans le même sens, c'est 1 Pierre chapitre 1er. Où il dit, puisque nous sommes ses enfants, nous devons être comme lui. Regardez, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Eh bien, le Seigneur nous veut saints, comme lui est saint. Il est notre Père en Jésus-Christ. Il veut que nous lui ressemblions davantage. Voyez-vous, que nous devenions de plus en plus saints. Et le chemin qui nous conduit à cette ressemblance s'appelle la sanctification, alléluia, avec tout ce que cela implique, l'obéissance à sa parole, le rejet de tout ce que la Bible appelle péché, etc. Ça, c'est le deuxième texte. Donc, ça va dans le sens de la sanctification. C'est très clair, n'est-ce pas? Et beaucoup d'entre nous le savent. Et enfin, un troisième texte pour nous montrer sa volonté vis-à-vis de son Église. Cette Église dont il est le chef. Cette église à laquelle nous appartenons depuis que Jésus est venu en nous, depuis que nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous sommes les membres de son corps dont il est la tête. Alléluia. Eh bien, il a une volonté, il a un plan pour cette église. Et donc, et par conséquent, il a un plan pour notre assemblée. Il a un plan pour tous ceux qui se réclament de lui, où qu'ils soient. Dans Éphésiens 5, 27, que nous dit-il? Christ a aimé l'Église, etc., et s'est livré lui-même pour elle, verset 27, pour faire paraître devant lui. Devant qui? Devant Jésus. C'est son Église, hein? Pour faire paraître devant lui, cette Église, allons maintenant tout doucement, disons tous ensemble, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église, qui est l'épouse du Christ, pour les retrouvailles en ce jour-là. Lorsque le Seigneur reviendra, lorsque la trompette sonnera, voyez-vous, il faut que l'Église, le Seigneur trouve une Église pure, une Église sainte, une Église sans défaut, une Église sans rides. Voyez, les rides sont là, parce que ben, notre corps vieillit. Si vous regardez bien dans le miroir, les dames, et les hommes aussi, attention, hein, vous allez voir hein, que votre visage n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, hein, deux fois deux jours. Hein, hein, mais la peau, parce qu'on vieillit, c'est normal. Je sais qu'il y en a qui sont obsédés par une jeunesse éternelle, les athées. C'est d'ailleurs ce qui fait la noblesse de la vie. Hein. C'est parce qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour être bébé, il y a un temps pour être ado,
Il y a un temps pour être jeune, il y a un temps pour être adulte. À 30 ans, adulte à 40 ans, un temps où on a beaucoup de cheveux, mais il y a aussi un temps où on les perd. Hein. Un temps où les cheveux sont tout noirs, où on n'a pas besoin de couleur, mais aussi un temps où, où la couleur blanche eh bien, s'impose sur nos têtes. Il y a un temps où on a une touffe de cheveux comme la forêt équatoriale, comme la savane, etc. Mais il y a aussi un temps où il n'y a plus rien, où la tête brille comme un œuf. Ce n'est pas un problème, c'est la beauté. Alléluia. Et puis un temps où on ne peut plus marcher comme autrefois. Un temps où quand il faut prendre les marches, ce n'est plus comme à Kikoula à l'époque, on courait. Hein. Et donc ça change tout. Et puis petit à petit. Et puis un temps on va arriver même, on n'aura plus la force de marcher sur ses deux jambes. On aura besoin d'une canne, n'est-ce pas? Et même avec la canne, on aura besoin que quelqu'un nous tienne. Et puis jusqu'au jour où nous allons partir. La vie est ainsi faite. Vous voyez? Mais le Seigneur dit, l'église que je veux et que je reviendrai chercher doit être une église sans rides, sans tache, sans défaut, alléluia. Donc voilà brièvement la volonté, si vous voulez, du Seigneur, et ce de manière générale. Voyez-vous? Donc, que nous soyons saints. Et pour que cette volonté soit une réalité pour chacun de nous, individuellement, mais aussi pour l'Église, son Église, nous devons croire à sa parole. Ça, nous vous l'enseignons tous les dimanches, en semaine. Nous devons croire à la parole. C'est la parole qui nous purifie, c'est la parole qui nous fortifie, c'est la parole qui nourrit notre foi. Nous devons marcher selon l'Esprit, car la Bible dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les instincts pervertis de ce corps. » Et nous devons lui obéir. Alléluia. Voilà comment, et de manière simple et brève, nous pouvons vivre, ou plutôt définir, ce qu'est la volonté de Dieu et comment nous pouvons la vivre. Obéir à sa parole, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais dans ce séminaire, nous allons essayer d'approfondir la question. Nous allons essayer de regarder autour et alentour de cette expression, la volonté de Dieu, pour comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle veut dire. Voyez-vous? Nous allons essayer de voir que lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous parlons de son plan pour chacune de nos vies. Nous parlons de ses objectifs que lui veut accomplir, d'abord dans notre vie, et puis ensuite, à travers notre vie. Alléluia. Car, et ça c'est important, je vais vous le rappeler tout au long de la semaine. Car Dieu est à l'œuvre depuis que le Seigneur est venu en nous. Croyez-moi, il ne s'est pas assis sur le trône de notre vie, croisant les bras, attendant que nous mourions ou qu'il revienne. Non, il est venu en nous. Et laissez-moi vous dire une chose, depuis qu'il est venu, le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur travaille, le Seigneur voudrait que nous puissions apprendre à lui abandonner notre vie pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Alléluia. Il est à l'œuvre depuis que nous sommes enfants de Dieu. Car quelquefois on a une conception un peu statique de la vie chrétienne. On pense que lorsqu'on reçoit Jésus, il vient dans nos vies, il s'assied et puis c'est fini. Quand nous marchons, nous le traînons avec nous. Nous arrivons quelque part, nous nous asseyons, il est avec nous. Nous sommes derrière l'ordinateur, il est là. Il nous regarde et dit, oh petit, je suis fier de toi. Regarde comment tu maîtrises l'outil. Lorsque nous sommes assis quelque part, dans un amphithéâtre ou un auditoire à l'UNIF, il nous dit, ah ma fille, je suis content de toi, oh là là. Tu suis avec attention, tout ça. Comme si ce qu'il cherche, c'est simplement nous donner la vie éternelle. Simplement nous pardonner. Et puis nous aider, tant bien que mal, à demeurer en lui, à rester attaché à lui. Voyez-vous? Et malheureusement, nous avons fini par développer une telle vision concernant la volonté de Dieu dans notre vie. Mais sachez-le, Dieu est à l'œuvre.
même là où vous êtes assis, il est à l'œuvre. Et le problème, c'est de savoir dans quel domaine de ma vie le Seigneur est-il en train de travailler. Alléluia. Et c'est là que nous verrons l'importance d'avoir des cœurs en cœur, des face à face avec le Seigneur. L'importance de la prière, d'avoir des moments seuls avec le Seigneur, de venir à l'église pour prier, pour louer. L'importance, mes amis, de comprendre que la prière est appelée à être un dialogue et non pas un monologue. Oui. Nous devons arriver à un point où nous taisons. Quelqu'un a dit à juste titre que lorsque tu rencontres un grand, quelqu'un qui est une sommité dans son domaine, je prends dans le domaine du clavier, il connaît plus que moi, hein. Si maintenant je dois avoir une conversation avec lui, si je vais apprendre de lui, eh bien je devrais me taire, le laisser lui parler. Parce qu'on ne peut pas parler d'un dialogue si deux personnes parlent en même temps. Et donc si je dois apprendre quoi que ce soit de lui, je dois me taire et le laisser lui me montrer tout ce qui se passe, qu'est-ce que c'est un piano, quelles sont les différentes notes, comment il faut partir, etc. Maintenant, si je l'approche dans le but d'apprendre, mais en même temps, je parle, je ne gagnerai rien. Alors, quelqu'un a dit, si tu rencontres quelqu'un qui puisse t'apporter quelque chose, avec qui tu es appelé à échanger, à dialoguer, eh bien, la meilleure partie du dialogue, c'est lorsque tu t'étais et que tu l'écoutes. Oui ou non? Tout à fait. Ton professeur, tu apprends de lui parce que dans l'auditoire, tu es assis. Et lui parle et tu écoutes. Et tu comprends. Et si tu n'as pas bien compris, tu peux alors lui poser la question. Donc la meilleure partie dans une conversation, ce n'est pas lorsque nous parlons, car nous parlons beaucoup. Surtout nous les pentecôtistes. Je le reconnais. Donc, vous voyez, nous parlons beaucoup. Alors que nous le savons tous, Dieu nous a donné une seule bouche, mais avec combien d'oreilles? C'est pour que nous apprenions à écouter plus qu'à parler. Et souvent, nous avons des problèmes dans nos rapports mutuels, ou même au niveau de couple et tout ça, parce que nous ne laissons pas l'autre parler. Voyez, pendant que l'autre parle, vous voyez, donc nous devons apprendre, si nous voulons écouter Dieu, mes amis, nous devons apprendre à nous taire. Ceci demande de la discipline personnelle, de la maîtrise de soi. Voilà pourquoi je vous encourage souvent à un moment de ne pas écouter la musique, seul à seul avec Dieu. Tu lui as parlé, tu as chanté en langue et tout ça, à un moment tais-toi. Dieu parle. Dieu ne souffre pas d'aphasie, c'est-à-dire la perte de la voix. Il a tellement parlé au travers des apôtres, au travers de tous les grands dans le cadre de son histoire, de l'histoire de l'Église, qu'aujourd'hui, il souffrirait d'extinction de voix. Non, il a toujours parlé. N'est-il pas le Dieu de la parole? Il parle par la Bible, nous le verrons. Il parle à travers l'Église comme nous sommes là. Il parle à travers les événements. Il parle aussi directement à notre homme intérieur. Mais pour ça, nous devons développer de la sensibilité spirituelle. Pour savoir qu'à ce moment précis, alors que je suis en prière avec lui, tout d'un coup je m'éteins et je lui tends l'oreille. Et puis tout d'un coup, il a une conversation. Il parle. Voyez-vous, il parle. Et quand il parle, il faut obéir. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en prière, maman disait le Saint. Dieu m'a parlé, c'était clair, c'était un matin. C'était tellement fort qu'en réaction, je me suis mis à pleurer. C'était merveilleux. Il fallait que je pose certains actes. Voyez, vis-à-vis de certaines personnes, ce que j'ai fait. Mais je me souviens, quand j'ai vu la réaction de ces personnes, j'ai failli pleurer. Et ces personnes,
Je les ai vus remplis de larmes. C'est pas ça venait tout droit de la part du Seigneur. Je ne fais qu'obéir. J'ai reçu cette instruction là, dans le moment de cœur à cœur, seul, le matin, où il n'y a rien. Il n'y a pas encore eu tout, enfin, voilà, les ouais, tout ça, non. Ça dit quand tout est calme. Oui, je l'ai dit parce que nous sommes sur la chaussée. Hein. Malheureusement, nous sommes exposés à tous ces vacarmes, toute cette pollution sonore. Voyez-vous? Mais le diable le sait. Hein. Je me souviens une fois, je priais le matin au salon. Hein, monsieur, j'entends quelqu'un parler très fort. Je pense que ce sont nos amis qui sont avec nous à la résidence. Je sors, j'appelle un, je dis, mais qui parle comme ça? Elle dit, non, papa, c'est quelqu'un qui est dehors. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui est venu seulement en face de notre maison. Il n'avait pas de véhicule. Il s'est mis simplement à crier. Je ne sais pas s'il parlait à quelqu'un qui était à 10 kilomètres, mais j'ai compris que c'était le diable. J'ai prié. J'ai dit au frère, j'ai dit, essaie un peu de sortir, va essayer de le calmer. Mais en même temps, j'ai accompagné cette demande de la prière. Parce que les gens sont complètement à l'ouest, ils peuvent mal réagir à Betty et Makofikuna. Donc, et puis, le monsieur est parti. J'ai compris, le diable nous connaît. À chaque fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu et avec Dieu, lui se lève. Et donc, dans ces moments de seul à seul, nous allons développer une certaine sensibilité qui va nous amener, mes amis, à discerner si la voix qui nous parle là, qui vient du fond de notre cœur, est-ce la voix de notre conscience ou la voix, une autre voix qui chercherait à nous distraire. Pour arriver à ça, mes amis, il faut beaucoup de temps de seul à seul avec Dieu. De temps où Dieu te façonne, où tu deviens sensible. Vous voyez, c'est comme un enfant. L'enfant entend la voix de sa mère depuis qu'il est dans le sein de sa mère. Oui ou non? Eh bien, l'enfant naît, même sans connaître vraiment le visage de sa maman, rien que l'odeur de sa maman, rien que la voix de sa maman, l'enfant reconnaît, oui ou non? Mais oui, parce que dès le sein de sa mère, cet enfant est en communion intime avec sa maman. Et puis, quand il sort du ventre de sa maman, après les mains de la sage-femme, ben c'est quoi? Ce sont les bras de sa maman. C'est le premier contact qu'il a. Et puis ça commence, quand il entend maman lui dire, calme-toi chérie, etc. Donc, il devient familier. Avec Dieu, c'est pareil. Cette sensibilité-là, elle ne nous tombe pas du ciel lorsque nous nous lançons dans des très grandes études de théologie. Encore une fois, même si la théologie est importante, mais plutôt dans des moments de seul à seul avec Dieu. Alléluia et gloire au Seigneur. Et donc, parler de la volonté de Dieu. Donc, je disais, Dieu est à l'œuvre en nous. Il y a beaucoup de choses qu'il doit faire dans ma vie. Il ne faut pas croire que tu es arrivé à destination. Tant que tu es sur cette terre et tant que tu es dans ce vase d'argile qu'est ton corps, eh bien, Dieu a encore des choses à accomplir en toi. Tu n'es pas encore conforme à l'image de son Fils. Alléluia. Et donc, il va tout faire. Il va permettre des adversités, des épreuves. Il va t'accorder des moments de joie, de succès. Mais le but qu'il poursuit, c'est de te faire ressembler à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Alléluia. En même temps, deuxième chose, Dieu est à l'œuvre tout autour de nous, car nous l'avons souvent oublié. Nous avons cru que le salut, eh bien c'est moi. Et puis, Dieu est avec moi. De temps à autre, je dois évangéliser, je vais à gauche, je vais à droite. Oh, je dois faire du bien à gauche, à droite et tout ça. Non, nous allons le voir, Dieu est à l'œuvre. Constamment à l'œuvre autour de nous. Pendant que nous sommes assis ici, Dieu est à l'œuvre tout autour de nous. Dieu est à l'œuvre autour de la borne. Mais c'est à nous de savoir où est-il exactement. Qu'est-il en train de faire? Quelle est l'œuvre qu'il est en train d'accomplir présentement? Si nous avons compris cela, eh bien la compréhension de ce qu'il est en train de faire est déjà une invitation qui nous lance
pour aller le rejoindre dans ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il est en train de faire un travail de salut sur l'avenue Masikita. Vous et moi, on ne le sait pas. C'est parce que nous fonctionnons ou nous marchons par la vue, où nous attendons que l'Église ait un programme, parce que nous manquons trop souvent, mes amis, cette sensibilité, avoir les yeux spirituels qui nous montre que pour le moment, Dieu va dans cette direction. Quand bien même l'ensemble de toutes les églises sœurs vont dans telle direction, nous saurions que pour nous, pour moi, il veut que j'aille dans cette direction. Eux, ils vont là-bas, s'ils sont dans sa volonté, il accomplira sa volonté. Et moi, s'il est avec moi dans cette direction, il accomplira sa volonté. Donc nous devons arrêter avec cette façon de vouloir faire parce que tout le monde le fait. Voyons. L'autre a organisé 2 jours de jeûne et de prière. Ah, nous aussi. Nous le faisons. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire à la borne pour le moment? Voilà la chose la plus importante. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Quel est le domaine de ta vie qu'il est en train de restaurer? Est-ce le domaine de la prière, la vraie, le dialogue avec lui? Est-ce le domaine, par exemple, de la sanctification? Il y a encore des faiblesses en toi. Tu es un but de toi-même. Tu n'acceptes pas les remarques des autres. Tu n'acceptes pas la critique. Tu penses que tu es au centre de la terre. Voyez, tu donnes l'impression d'être très humble, d'être vraiment un ange sous forme humaine, alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup de méchanceté dans ton cœur. Et le Seigneur voudrait les enlever. Non, toi, tu ne vois que... Ah oui, oui, on va gêner là-bas. On va à Mangengue. Comment? Mangengue. Voilà. On va là-bas, et puis on apprend qu'il y a eu... Oh, Massa Sebe Tchukuna. Non, mais vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-il en train de faire en moi? Veut-il en train de restaurer ma responsabilité d'être intercesseur, à prendre la joie qu'il y a à mettre du temps pour intercéder pour mon Église? Est-ce dans le domaine de la générosité, ma main est toujours fermée? Quand j'essaie de faire un mouvement, surtout quand on insiste, c'est juste un petit doigt. Tu prends un peu de sucre, hein, comme ça. Joie. Tiens. Mais Dieu dit non. Moi, quand je te donne, je ne mesure pas. Quand je te donne, je ne tends pas un doigt. Quand je te donne, j'ai fait ça. Et comme sa main est plus grande que tout l'univers, alors vous imaginez les grâces qui tombent. Oui, ça peut tarder dans ce domaine-là. Mais nous voyons toujours, ah oui, nous allons à gauche, à droite, le clochardisme spirituel. Donc vous voyez, Dieu travaille en nous, et puis Dieu travaille, et quand nous allons parler de la volonté, ça sera en nous et à travers nous. Donc parler de la volonté de Dieu, c'est parler des différentes attentes de Dieu par rapport à chacun de nous. Il nous a sauvés, nous sommes tous ses enfants. Nous verrons, il y a la volonté générale, nous devons nous sanctifier. Quand la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme je t'aime, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'adresse à tout le monde. Quand la Bible dit, il ne faut pas voler, ça s'adresse à tout le monde, n'est-ce pas? Quand la Bible dit qu'il n'y ait pas des paroles mensongères, grossières, qui sortent de votre bouche, qu'il n'y ait pas la méchanceté, ça concerne tout le monde. Mais il y a aussi des choses particulières. C'est ce que les uns appellent la direction divine. C'est-à-dire, à un moment donné, alors que nous sommes tous dans cette direction générale, dans cette volonté générale, à un moment, il dit, voilà, mon fils, ma fille, voilà, toi, je t'attends par là. La volonté spécifique. Dieu d'un côté, et de l'autre côté, notre vie. Dieu avec sa volonté, et nous, ses enfants. Et entre les deux, il y a une relation d'amour. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Une relation qui permet à ces dieux-là d'accomplir son plan, d'accomplir, de réaliser ses objectifs. On revient encore à cet enseignement, toute cette série d'enseignements sur la relation. Mes amis, Dieu a préparé d'avance des choses, des œuvres bonnes, afin que nous y marchions.
C'est un Dieu d'amour, alléluia. Un Dieu qui nous connaît, mais nous ne pouvons marcher dans ces choses que dans la mesure où nous restons attachés à lui, alléluia. Dans la mesure où nous entretenons une relation de grande proximité avec lui. Il y a donc une relation vivante, une relation vitale, une relation spirituelle qui repose entièrement sur l'amour. Nous en avons encore parlé le dimanche. Puisqu'il est amour, alors tout ce qu'il va faire pour nous ne sera motivé que par l'amour. Puisqu'il est notre Père, eh bien la seule motivation derrière sa volonté pour nos vies, eh bien c'est l'amour. Et par conséquent, il ne cherchera jamais à nuire à notre vie. Voilà pourquoi soyez en paix. Vous qui priez pour que le Seigneur vous donne une femme, peut-être vous craignez, oh là 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 là, le Seigneur va m'imposer. Bon, chacun a une image, enfin a une idée un peu sur l'homme de sa vie. Il y en a qui aiment des hommes grands comme des eucalyptus. Il y en a qui les aiment petits. Il y en a qui les aiment avec des gros yeux. Oh là là, j'aime un mari avec des yeux comme un hibou. D'autres des petits yeux comme les yeux d'un rat. Tumuke, voilà. Donc, voyez, alors vous avez peut-être peur depuis quelque temps, il y a une sœur, oh là là là, rien qu'à la regarder, elle est aux antipodes du type de femme que tu aimes et que tu aimerais avoir comme épouse. Ou alors un homme, un frère, qui s'approche tout le temps, tu dis, oh là là, j'espère que Dieu ne va pas me dire que c'est lui l'homme de ma vie. Hein, les filles? Voilà. Dès que tu le vois, oh là là, j'espère qu'il ne vient pas avec une prophétie. J'espère. Non, soyez en paix. Celui qui viendra de sa part, celui qui viendra vraiment, celle qui viendra de sa part, ça sera pour ton bonheur. Dieu ne t'imposera jamais quoi que ce soit. Oui, ce sont les hommes avec leurs prophéties qui peuvent vous manipuler. Voyez. Donc, il y a une relation profonde, intime. Et cette relation est déterminante. Car si nous n'avons pas de grandes relations, de relations profondes, intimes avec lui, il nous sera difficile, mes amis, de discerner ces directives par rapport à notre plan, par rapport à notre vie, alléluia. Il faut savoir, mes amis, que la plus grande bénédiction, la plus grande de toutes les grâces de Dieu, après celle du salut, vous la connaissez, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle d'entrer dans sa volonté. Puisqu'il m'a sauvé, puisque je suis devenu son enfant, que nous dit-il dans sa parole? En Christ, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour des œuvres bonnes que lui, Dieu, a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous y marchions. Alléluia. Eh bien, comment marcher dans ces œuvres que lui a préparées d'avance si nous n'entrons pas dans son plan? Et quand nous parlons du plan de Dieu, nous parlons justement de ça, de choses qu'il a prévues d'avance. Vous passez, vous ne savez pas qu'un jour vous habiterez là, mais lui sait. Oh, alléluia. Vous passez, vous faites ceci, vous faites cela, mais Dieu sait qu'un jour, toi, jeune homme, tu passes inaperçu, tu te bats avec tes études, tu lui es fidèle. Dieu sait qu'un jour, c'est toi qui seras à la tête de cette province. Dieu sait. Dieu sait. Alors, laisse-toi simplement conduire. Fais les études. Reste intègre. Et un pas à la fois. Car nous le verrons. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu ne nous révèle pas sa volonté comme ça, comme sur un téléviseur. Voilà. Vous voyez le film passer. Donc, un film défilé. Donc, ça commençait là. Oh, et puis ça continue, et puis à la fin, c'est fini. Et Dieu nous montrerait ainsi, voilà, tu feras ceci, Oui, il peut nous donner quelques lumières sur ce que nous serons demain. J'ai mis une chemise il n'y a pas longtemps. Quand mon épouse m'a vu, elle s'est rappelée de quelque chose, elle m'a dit,
Il dit, je t'avais vu dans une vision avec cette chemise à la borne. Il y a des années. Voilà. Quelquefois, ce sont des flashs. Mais comme nous ne sommes pas toujours, eh bien, ça passe. Et ce n'est que des années plus tard qu'on se dit, mais tiens, au fait, c'est que l'homme, c'est que cette femme-là m'avait dit, était vraiment la parole qui venait de la part du Seigneur. Après le salut, il faut que nous entrions dans son plan. Alléluia. Il faut que nous entrions et que nous soyons au cœur de la volonté de Dieu. Et pour terminer aujourd'hui, eh bien, il faut savoir, je reviendrai demain, il faut savoir que pour vivre, expérimenter la volonté de Dieu, eh bien, nous devons nous laisser conduire par son esprit, certes, dans le cadre de cette relation d'amour qui nous unit à lui, mais nous devons avoir des yeux ouverts sur le plan spirituel pour savoir lire les différents messages du Seigneur au travers de circonstances. Et pour cela, il y a deux plans d'écoute. Deux plans d'écoute pour accomplir la volonté de Dieu. Premier plan d'écoute, et aujourd'hui je m'arrête là, nous allons voir cela un peu plus en profondeur. Premier plan d'écoute, il y a les directives générales. Et nous verrons. J'en ai touché un mot. Et puis ensuite, il y a les directives particulières, spécifiques. C'est-à-dire qu'ils sont propres à chaque chrétien. C'est-à-dire à un certain moment, Dieu me parle. Lève-toi, va là-bas. À un moment, Dieu te parle. Pose ces gestes. Quelquefois sans savoir pourquoi. Vous voyez? Donc, voilà, ce sont des directives particulières. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais ça me concerne moi. Ça te concerne toi à un certain moment. C'est donc en marchant, en obéissant à ces directives à la fois générales et particulières que nous allons vivre, mes amis, la volonté de Dieu comme une bénédiction. Et c'est alors que nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Oui, Dieu travaille en nous. Dieu travaille autour de nous. Cas de Paul, et nous arrêtons là. Comme ça, ça va être beaucoup plus clair. L'apôtre Paul, acte 9. Paul rencontre le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur se révèle à lui. Paul tombe. Il est aveuglé par cette lumière. Il entend la voix du Seigneur, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Paul pose une première question. Là, il s'appelait encore Saul de Tarse. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et après, la deuxième question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, tu te révèles à moi. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La volonté de Dieu. Maintenant, regardez comment le Seigneur va agir. Comme ça, vous allez mieux comprendre que Dieu fait quelque chose en nous, mais aussi à travers nous. Le Seigneur lui dit, écoute, entre dans la ville, donc Damas, nous sommes en Syrie, et là, l'on te dira ce que tu dois faire. Et il entre, il va loger chez un certain Judas qui habitait sur la rue droite, nous sommes à Damas. Pendant que tout cela se passe, là à Damas, il y a un disciple qui s'appelle Ananias. Et pendant qu'il était en prière, ne sachant pas tout ce qui se passait autour, il reçoit une vision. Et dans cette vision, le Seigneur lui demande de se lever et dit, va dans la rue appelée la droite, dans la maison d'un certain Judas, va chercher un nommé Saul de Tarse, car il est en train de prier.
et il t'a vu en vision. Et tu vas prier pour lui. Parce que Paul, entre-temps, est devenu aveugle. Dans un premier temps, Ananias résiste un peu et dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Moi, aller vers cet homme, quand je sais que cet homme ravage ton église partout et qu'il vient ici à Damas avec le pouvoir, eh bien, de traquer tous ceux qui ont tourné le dos au judaïsme pour croire en toi, eh bien, le Seigneur va insister, il va lui dire, cet homme est un instrument, est un vase. Voyez que je choisis, etc. Regardez maintenant, Ananias va obéir, il va aller chercher la fameuse rue, la droite, chez un certain Judas. Quand il arrive là-bas, il trouve un certain Saul de Tarse, aveugle. Et puis il entre, et puis il prie pour lui, les yeux de Saul s'ouvrent, il lui impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit, et plus tard, il est baptisé. Regardez maintenant, mes amis. Ananias est à Damas, dans un contexte de persécution de l'Église. Pouvait-il s'imaginer que le Seigneur était à l'œuvre à Damas? Hein? Non. Dieu est à l'œuvre autour de toi. Dieu est à l'œuvre autour de nous. Il est incapable de le savoir, jusqu'à ce que le Seigneur le dise. Et Paul lui-même, pouvait-il s'imaginer que là où il allait, eh bien, il allait non seulement se convertir, mais il allait être pris en charge par quelqu'un. Mes amis, Dieu va faire un travail dans Paul. Le Saint-Esprit va descendre sur lui. Dieu va faire un travail à travers Ananias pour Paul. Dieu est à l'œuvre autour de nous. Dans ta famille, il est à l'œuvre. Quelquefois, nous regardons au loin. Nous cherchons des âmes à gagner. Voyez-vous, nous sommes prêts à prendre notre véhicule. Nous sommes prêts à prendre une moto. Voyez, pour aller évangéliser à Massina, c'est bien. Si vraiment Dieu nous attend, et ce qu'il est en train de faire pour le moment par rapport à sa volonté pour nous, alors que nous avons des gens tout autour de nous. Peut-être que Dieu est en train de les travailler. Mais toi, tu regardes simplement leurs attitudes mauvaises vis-à-vis de toi. Oh oui, lui, mais ces derniers temps, maman, c'est impossible. Maman, je ne sais pas. Maman n'est plus ce qu'elle était. Depuis qu'elle a 60 ans, voilà. Maman, ceci, maman, cela. Mais le diable sait que ton Dieu, là, est en train de faire un travail dans la famille. C'est à toi de te laisser conduire. Mais non, tu vois, tu regardes très loin. Mes amis, Dieu veut travailler en nous. Et quand nous parlons de sa volonté par rapport à notre vie, sa volonté à travers notre vie pour l'accomplissement de son plan, pour l'accomplissement et la réalisation de ses objectifs. Alléluia! Oui, Dieu est à l'œuvre. Déjà aujourd'hui, prions que chacun se tienne devant Dieu. Seigneur, qu'es-tu en train de faire tout autour de moi? Peut-être qu'il est en train de préparer tes enfants qui sont de plus en plus rebelles. Toi, tu ne regardes qu'à leur réaction. Alors, tout autour d'eux, il y a la main du Seigneur qui travaille, qui est en train de les préparer. Tourne-toi vers eux et parle d'eux. Parle de Jésus à tes enfants. Dieu est en train de travailler. Prions tous ensemble. D'abord, prions pour que Dieu nous aide, que nous enlevions tout obstacle en nous par rapport à son travail. Il veut œuvrer puissamment en nous. Alors, l'obstacle de tout travail de Dieu en nous, c'est le péché. Et si tu es conscient d'un péché, demande-lui pardon. Seigneur, je suis menteur, pardonne-moi. Seigneur, je vis dans l'immoralité, pardonne-moi. Je suis ceci, je suis cela. Oui, Dieu est en train de faire un travail en toi, mais aussi il aimerait faire un travail à travers toi. Car il est constamment à l'œuvre autour de toi. Nous allons nous mettre debout pour prier, avant de clore ce moment, de laisser toute la place au pasteur Joël, pour qu'il nous conduise encore une fois dans des moments de louange, dans des moments d'adoration. Alléluia. Prions que chacun lève sa main. Pour ceux qui sont venus en bus, ne vous précipitez pas, le bus ne partira pas sans vous.
Voyez-vous, et puis il ne va pas reprendre certaines directions, je crois. Hein. Nous sommes là pour toi, Seigneur, et nous te disons merci pour ta parole. Ta volonté est que nous puissions, Seigneur, nous laisser entre tes mains, pour que toi, par ton Saint-Esprit, tu puisses nous amener au cœur de ta volonté, au centre de ta volonté. Seigneur, il y a tant à faire dans ma vie, il y a tant à faire dans mon cœur. Voilà pourquoi je me tiens devant toi, Seigneur, et je te prie de poursuivre ce travail de restauration en moi, ce travail de régénération en moi. Tu veux me faire ressembler à toi. Tu veux me délivrer de tout lien d'incrédulité, de tout lien d'impureté, de tout lien d'idolâtrie, de tout lien de mensonge, de tromperie, de méchanceté, quelle qu'elle soit, pour que je puisse, Seigneur, t'appartenir en tout, pour que je devienne comme toi. En même temps, Seigneur, donne-nous l'intelligence, Seigneur, de savoir ce que tu es en train de faire tout autour de nous. Ô Dieu, merci Maître, merci de nous bénir. Merci pour cette première soirée. Seigneur, merci. Nous te recommandons notre retour, mais également les deux soirées qui sont devant nous, afin que tu les conduises par ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, voilà. Excellente soirée, à demain. Pour ceux qui veulent encore danser, ben, la parole est au pasteur Joël.